Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Oui, j'ai pas mal craqué chez Action et chez Jiffy. Oui, j'ai été complètement faible, je l'avoue. En fait, j'y suis allée avec des objectifs précis, mais comme d'habitude, je sais pas si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais comme d'habitude, bien, je craque pour d'autres choses. Hein. Je craque absolument pour d'autres choses. Alors, j'ai trouvé ce que je voulais absolument, mais je craque pour d'autres choses. Je vous mettrai à chaque fois les prix au fur et à mesure et j'essaye d'aller vite. On commence par Jiffy. Clairement, vous allez vous dire, la fille, elle est zinzin. Elle a acheté déjà le sac pour la rentrée des classes de son fils. Oui, dans mon dernier weekly vlog que je vous mettrai ici, un de mes weekly vlogs, je ne sais plus si c'était le dernier ou pas, mais je vous annonçais la bonne nouvelle que mon fils allait rentrer en septembre à 2 ans et demi à l'école, en toute petite section. Et du coup, j'ai déjà trouvé chez Jiffy son sac à dos. Je l'ai trouvé trop craquant, trop mignon, trop chou. Alors je suis pas hyper fan du rouge, mais là c'est quelques petites touches, donc c'est pas grave. Et dessus j'adore, il y a écrit graines de génie. Je trouve ça trop mignon. Il faut savoir que le sac d'école de ma fille pour sa rentrée de septembre dernier, il venait aussi de chez Jiffy. C'est pas le même style, mais voilà, c'est plus pour elle. Et là je trouvais ça trop craquant et avec, j'ai pas pu résister. Alors elle aura pas besoin de trousse, hein, clairement, en toute petite section, elle en aura pas besoin. Mais je pouvais pas la laisser quoi, ça allait ensemble, je me dis que ça servira plus tard, il mettra ses feutres, des choses comme ça de la maison. Mais voilà, toujours avec écrit graines de génie, je trouve ça trop, trop, trop chou. Toujours, alors là c'est pour mon fils et ma fille aussi, et j'ai pris ce gros lot énorme de peinture avec des embouts déjà pinceaux en fait. Je sais pas si vous verrez, alors je vous en reparlerai dans un vlog je pense quand je vais le tester avec mes enfants pour qu'on voit un peu si ça vaut le coup ou pas. C'était pas donné, c'était 15,90 je crois le lot, donc ce qui est quand même assez énorme. Il y a 24 couleurs, il y a des couleurs pailletées ici, je sais pas si vous le verrez bien. Mais voilà, ça m'a tenté, il existait le lot un peu plus petit à 9,90 mais juste la moitié. Du coup, bon, pour 14 euros, j'ai pris le gros lot. Honnêtement, mon fils, je fais très très peu de peinture avec lui. Et je me dis quand même, ce serait cool que bah, il en fasse un petit peu, vu que je le garde en ce moment. Et c'était quand même pratique pour associer la peinture sans avoir plein de matériel à sortir. Donc on testera. Pour ranger, bah justement, tous ces feutres, j'ai pris une petite boîte à 2,50€ je crois. Voilà, toute basique, toute simple, toute transparente. Alors ça, petite histoire, quand je suis partie au Canada l'année dernière, je vous mettrai un de mes vlogs Canada ici. Mon mari a oublié dans l'avion mon espèce de tour de cou comme ça, qui était trop mignon, qui venait de chez Etam, qui était trop beau, je l'avais acheté en solde et tout, j'étais trop contente, il l'a oublié dans l'avion. Du coup j'étais deg, impossible de le retrouver forcément, hein, on n'allait pas faire les objets trouvés, les machins, les trucs, bon tant pis. Donc là j'en ai retrouvé un à 3,50€, il est plutôt bien, tout noir, tout basique, bon il n'est pas aussi trop chou que celui-là que j'avais de chez Etam, mais bon, ça fera l'affaire. J'ai craqué pour des produits ménagers chez Jiffy en fait, oui je suis passée dans le rayon, je me suis dit pourquoi pas. D'ailleurs je vois plein de filles en acheter chez Jiffy cette marque là, la Rainette, qui est écologique, 100% plastique recyclé et 100% recyclable. Donc ils étaient pas trop chers, à moins de 2€, donc je me suis dit bon pourquoi pas. J'ai pris le liquide vaisselle, un nettoyant au citron comme ça pour nettoyer et détartrer, et un nettoyant vitre comme ça. Du coup je savais pas, je me suis dit voilà ça peut être pas mal, un peu écologique comme ça, ça peut être cool. Un petit gadget pour la cuisine. En petit accessoire, voilà, rapidement, hein, j'en avais besoin, j'ai pris des bas comme ça, là, vous savez, couleur chair. J'aime bien en mettre, que ce soit avec mes baskets, etc. Je trouve ça quand même pratique, donc j'en ai pris. J'ai pris un verre trempé pour mon téléphone, pour l'iPhone 7 du coup. Protège des rayures, efficace pour le tactile, bordure arrondie, etc. etc. Donc c'était 6€, c'était pas donné, mais j'en avais besoin. Et j'ai repris une petite pince pour mes cheveux parce que la mienne, elle commence à se faire vieille. Maintenant en beauté, j'ai beaucoup craqué pour des produits bio chez Jiffy parce qu'ils ont toute une gamme de la marque Meseguey. Et du coup, il y a des huiles essentielles, enfin j'ai été hyper étonnée, donc j'avoue que j'ai beaucoup craqué. Et en premier, j'ai pris le guide des huiles essentielles parce que moi j'en achète beaucoup, j'en ai pas mal à la maison, je commence un peu à découvrir tout ça. J'essaye de me mettre de plus en plus aux produits clean, aux produits bio et aux produits naturels. Je dis pas que tout est parfait. Mais j'essaye, donc je m'y intéresse tout doucement mais sûrement. Et j'avoue que les huiles essentielles, j'aime beaucoup, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je me dis que ça peut avoir plein de points bénéfiques. Et à l'intérieur, il y a voilà tous les blablas sur les huiles essentielles, à quoi ça sert, comment l'utiliser, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait un peu me cultiver à ce niveau-là. Il était à 6€ ce livre et j'ai pris aussi une pochette
de rangement, donc de la marque Meseguiguet, pour les huiles essentielles. Alors c'est la première fois que je tombe sur ça, je trouve ça trop cool parce que moi j'ai pas mal d'huiles essentielles, et la dernière fois j'ai vu que ma fille a commencé à les fouiner, à les faire tomber, et ça m'a agacée. Donc là c'est plutôt cool, c'est une petite pochette comme ça que vous ouvrez, et vous avez des espèces, des petits élastiques là pour les ranger, et donc il y en a 4 de chaque côté, donc je pense qu'on peut, on peut en mettre 8, et vous avez une petite protection comme ça pour éviter que... qu'elle se touche ou qu'elle se casse. Donc je me suis dit que ça allait être cool ça pour tout ranger et pouvoir pouvoir les avoir au même endroit tout ensemble. Alors je sais que sur certains sites vous pouvez en trouver des plus grosses et tout, mais j'en ai pas 50 000 encore, donc pour l'instant ça va bien me servir. Et c'était autour de 5,90€. Clairement j'ai beaucoup craqué chez Meseguiguet, hein, comme je vous ai dit, Meseguiguet, je sais pas trop comment ça se dit ce nom. Donc là j'ai pris un spray répulsif pour les poux à l'eau florale et aux huiles essentielles. Action préventive contre les poux à partir de 3 ans. Vous savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je crois, haul promo beauté, tout ça, j'ai acheté l'huile essentielle de lavande. Je vous disais que j'en utilisais sur ma fille pour éviter qu'elle attrape des poux. Du coup, bah, je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce qu'elle a les cheveux crépus et quand elle attrape des poux, c'est juste la fin du monde. Puisque moi aussi, après, j'en attrape et je suis dans la... Ah, on dira pas le mot. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être super sympa, le spray préventif poux. Et j'ai regardé sur Insee Beauty et sur les applications, les produits Meseguiguet sont juste top au niveau notes. Quasi que des produits naturels, donc vraiment, enfin ils ont même que des produits naturels. Alors honnêtement, au niveau de la compo, c'est juste archi bien. Pour mon diffuseur d'huiles essentielles que je vous avais présenté dans une autre vidéo Jiffy, j'utilise donc les huiles essentielles comme ça de chez Meseguiguet, spéciales pour les diffuseurs. J'ai pris bouquet de menthe à la térébenthine, menthe verte, menthe poivrée et menthe arvensis. Excusez-moi de cet accent. Et j'ai pris douceur des tropiques avec cette fois-ci de la verveine exotique, de l'orange douce, de l'ylang-ylang et du patchouli. Ça me disait bien, je me suis dit voilà, pour détendre, j'aime bien l'utiliser dans mon bureau ou dans l'étage en fait, comme ça, ça diffuse cette petite odeur sympa, ça relaxe tout le monde et c'est très bien. Et elles sont vraiment, vraiment pas mal. Pour cet été, parce que ma fille et mon fils et mon mari sont... beaucoup piqué par les moustiques, alors on pourra pas l'utiliser sur mon fils, mais sur ma fille et mon mari oui, j'ai acheté le roll-on après piqûre aux huiles essentielles, donc c'est un roll-on pour apaiser un petit peu quand on se fait piquer par les moustiques, donc ça c'est quand même plutôt sympa, même pour moi, mais je me dis que pour eux ça servira quand même plus. J'ai pris aussi une brume d'oreiller, j'ai découvert qu'il faisait des brumes d'oreiller, il y en avait pour tous les goûts. J'ai pris celle qui est brume d'été, alors ne vous attendez pas à une odeur style monoeil, tout ça, pas du tout, ça sent la citronnelle. Et du coup, j'aime bien moi cette odeur là, et je me suis dit que voilà, l'été, en mode répulsif contre les moustiques, ça peut être pas mal d'en mettre un petit peu sur les draps de lit. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, il n'y avait pas d'odeur style fleur de coton, tout ça, hein. ne rêvez pas. Et pour finir, toujours de la marque Meseguiguet, 20 sur 20 la note, 20 sur 20, c'est beurre de karité bio avec une petite odeur de vanille, c'est bio, c'est cosmétique bio organique, et honnêtement je l'ai scanné aussi, 20 sur 20. Donc ça je l'ai acheté pour l'utiliser sur mon fils, mon petit bébé, pour le masser, parce que le beurre de karité c'est très très bon pour les relâcher, les aider à se relaxer après le bain, et c'est très très bon pour la peau, surtout la peau des petits métis. Petit conseil de ma belle maman africaine. Petit objet comme ça, j'ai décidé de tester, d'acheter pour 3€ je crois, c'était pas donné, un goupillon comme ça pour laver les biberons, mais en silicone. Je me suis dit pourquoi pas tenter, parce que ça m'intriguait. J'avoue que les goupillons traditionnels, bah, c'est un peu relou, ça s'abîme, ça se plie mal et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ce sera plus efficace pour laver les biberons. Et il est pas pointu, donc pour aller dans les tétines par exemple, ça marche pas, hein, mais bon. J'ai craqué pour une jolie bague comme ceci à 3,99€. J'ai pris une grande taille, un petit peu, voilà, ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de petites bagues comme ça, mais voilà, j'avais envie, je me suis dit tiens, pour mon doigt ça peut être cool. Et mon dernier gros achat à Jiffy, chez Jiffy, c'est ça, j'ai acheté deux grosses bonbonnières. Alors j'en aurais voulu une seule, grosse, plus grosse que ça, mais bon. J'ai pris donc deux grosses bonbonnières, elles sont très jolies, très sympas pour mettre toutes mes boules de bain. Lush, je vais vous insérer une petite image pour vous montrer un peu ce que ça rend quand je les aurai remplies. Mais voilà, j'ai plein de boules de bain Lush, des boules de bain My Jolie Candle, etc. Et je voulais les mettre à l'intérieur parce que voilà, je trouve ça trop joli. Et puis comme ça, on a juste à les piocher au fur et à mesure, c'est trop le bonheur. Ça, c'était pour la partie donc Jiffy. Maintenant, on passe à chez Action. J'ai repris les petits cotons pour les fesses de mes enfants.
Pour la cuisine, j'ai trouvé une petite casserole comme ça pour les plaques à induction, etc. Parce que j'en avais acheté un lot. Si vous aviez regardé mes vlogs, déménagement, extérieur, emménagement, ben voilà, j'en avais acheté un lot, mais j'en avais pas beaucoup. Donc j'en ai racheté une à 6 €. Et j'ai acheté ce petit lot-là de 3 sortes de tupperwares, mais métalliques. Je me suis dit que c'était plutôt cool pour, voilà, pour les salades. Et quand on, bah, quand on a un reste de salade, bah, on a juste à mettre le couvercle et au frigo. Donc il y a 3 tailles différentes. C'était 3,99 €, c'était pas trop trop cher. Et bah, ça me plaisait plutôt bien. Donc on va voir, hein, c'était des, vous savez, des espèces de pots en aluminium. Donc je me suis dit que c'était pas trop mal au niveau conservation. Alors j'ai découvert ça chez Action, une nouvelle huile de la marque Bessel. Une huile à l'oméga 3 avec différentes huiles dedans. Il n'y a pas que de l'huile d'olive, hein, mais il y a de l'huile d'olive en grosse majorité. Donc mélange unique de 3 huiles, huile de tournesol, huile de colza et l'huile de lin. Et de l'huile d'olive bien sûr, hein. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'était pas trop cher et j'avais plus d'huile à la maison, donc on testera, hein. J'ai craqué pour des gourmandises. Oui, alors je suis en mode rééquilibrage alimentaire, du coup bah je me suis lâchée sur les gourmandises, mais je vais pas tout manger, hein, moi toute seule, hein, vous inquiétez pas. J'avais envie de tester ces petites choses là, je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie. Des sortes de petits rochers à la noix de coco, là, aux amandes. Il y en avait aussi aux cacahuètes, mais j'allais pas tout acheter, hein, donc j'ai résisté. Je goûterai de temps en temps quand j'ai envie de me faire un petit kiff. Des Twix, je suis ultra fan des Twix. J'en ai repris, voilà, quand j'aurais envie de me faire une collation une fois dans la semaine. Je suis pas en mode je me prive, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir là. Et alors, grande nouveauté chez Action, il y a des grands paquets de Reese's. Oui, à 2,60 €, je crois. Je vous ai mis une photo sur Instagram d'ailleurs. Mais je trouve ça trop bien, quoi. Je trouve ça trop bien qu'ils soient enfin arrivés chez Action et en France, quoi. Facile à trouver. Et pour finir, j'ai pris des espèces de chips comme ça au beurre salé. J'avais vu dans une vidéo qui paraît qu'ils étaient très bons. Donc, j'en ai pris un paquet pour goûter. J'aime beaucoup tout ce qui est à base de beurre salé, donc. Pour mon petit scrap, je me suis repris un petit roll-on. Ils sont pas fous, mais j'avoue qu'ils dépannent bien. Ma fille voulait absolument des brosses à dents. Elles étaient à 82 centimes pour information, donc pas cher. J'ai repris un petit truc comme ça pour allumer mes bougies parce que le mien est vide et mon mari n'arrive pas à les recharger. Donc j'en ai repris un à 1,62 €. J'ai pris, alors ça, complètement gadget parce que cet été, je ne suis pas sûre de partir en vacances et de pouvoir les utiliser. Mais voilà, ça me faisait trop craquer à 49 centimes. J'ai repris un petit flamant rose et celui-ci, là, avec le petit parasol, là, comme ça, je trouve ça trop mignon. Au pire, ce sera pour mes enfants dans leur petite piscine, dans le jardin, ça servira toujours. Pour mes enfants, j'ai repris des couverts comme ça parce que j'en avais acheté chez, je crois, Ikea, mais vraiment, ma fille a tendance à manger les bords, là. Faut que j'en achète en métal, en fait, c'est juste que j'en trouve pas beaucoup. Si vous avez des conseils d'ailleurs pour trouver des couverts enfants en métal, n'hésitez pas à me dire parce que vraiment j'en trouve pas beaucoup. Donc en attendant, j'irai racheter ça. J'ai acheté ça pour enlever les étiquettes. C'était pas donné, je crois, ce produit-là. Je sais plus exactement le prix, mais c'est-à-dire 1,60 € ou un truc comme ça, 1,90 €. C'est des éliminateurs d'autocollants. J'ai pas mal d'endroits où il y a des petites traces d'autocollants, de scotch, etc. Je me suis dit que ben voilà, ça pouvait être plutôt cool d'avoir ça en stock. Donc je vais tester avec ça pour voir si ça marche. Pour mon fils, j'ai pris des petites chaussettes comme ça, toutes basiques, toutes simples. Je me suis, oui, repris une pince à cheveux en cas où. Et j'ai trouvé mes fameux stickers. Je les ai utilisés, rappelez-vous, dans ma vidéo ici avec mon make-up festival. J'en ai repris des comme ça, un petit peu bleu. Celui-ci est trop mignon, je trouve, avec les étoiles. Celui-ci est assez basique. Et celui-ci, c'est pour ma fille. Je me dis que je ferai peut-être un maquillage un peu sympa avec ça. Donc voilà pour tous mes achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté chez Jiffy et chez Action dernièrement, à liker cette vidéo si elle vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à réagir, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut !